une fois, j'attends pas de réponse, mais bon, c'est pas grave, je vous pose toujours la question et je la poserai tout le temps. Là, avec Lucas, on est parti pour faire la promo de la chaîne YouTube avec le vélo à gagner Specialize. On est en direction d'un appartement qu'on va vous faire découvrir aussi en vidéo. Avec mon grand caméraman Spielberg qui est à la caméra. Donc si ça tremble, c'est de sa faute. Vous pouvez le traiter en commentaire et je vais mettre n'importe quoi parce que ce sera ce qu'il mérite. Et au moins, vous verrez que je suis pas le seul. Je vais te faire un petit zoom. Tu veux que je tourne? On va essayer de faire un petit zoom. Montage. Ouais, je me mets comme ça. Attends. Ça, on coupera le montage. Et du coup, on sait pas du tout. Attends, si tu niques ma voiture, Lucas, je te nique la gueule. Non, non, c'est sûr. Si tu me pètes le pad de. Et au lieu de te mettre comme ça, tu peux pas tendre ton bras. Ah, mais sinon, je vois pas si je t'ai bien. Ah, ouais, d'accord. Donc là, ça va, tu Spielberg vois. Là, je t'ai bien, franchement, ouais. Donc, et enfin, pour une fois, mais putain, nom de Dieu, j'ai enfin réussi à avoir l'autorisation d'un propriétaire de filmer son appartement. Alors, ce n'est pas une maison pour le coup. Béthune est constituée, on va dire, à 30% d'appartements et à 70% de maisons, on va dire individuelles, mais ce n'est pas des individuels, hein, c'est des maisons qui sont mitoyennes. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on est aussi sur on va dire une situation géographique où il y a une grosse concurrence de maisons. Et les maisons sont plus appréciées parce qu'il y a un petit peu moins de charges. Il y a moins de charges de copropriété. Libre quand on est propriétaire de sa propre maison, du style est-ce qu'on a envie de refaire sa toiture, est-ce qu'on a envie de refaire sa façade, est-ce qu'on a envie de refaire sa clôture, son parking, enfin ce genre de choses. C'est pareil, si on n'entretient pas son jardin, bah on s'en fout un peu, hein, on le fait quand on a le temps et puis c'est tout. En copro, c'est beaucoup plus compliqué, il faut respecter pas mal de choses. Et rien que la copro en elle-même, donc pour ceux qui ne connaissent pas, une copro, c'est un ensemble de propriétaires d'un immeuble ou d'une copropriété, donc ça peut être des maisons individuelles qui sont dans une résidence fermée, avec un portail, tout ça. Des assemblées généraux sur lesquelles il y a des grandes décisions qui se prennent et ils font aussi des votes. Donc chacun a des tantièmes ou des millièmes, donc c'est des parts d'un pourcentage de la copropriété. Je prends un exemple, le gars a deux appartements dans un lot de 20 appartements, le gars il a deux parts sur 20. Donc en millième, ça ferait 200 millièmes. Vous voyez le principe. C'est ce qu'on appelle aussi un compte de compte pro, donc c'est-à-dire que tous les mois on paye des charges de copropriété. Et ces charges-là, en fait, ils rentrent dans un compte qui sont mis de côté, une espèce d'épargne, et puis le jour où il y a besoin de faire des travaux, on tape dedans. Et si un jour aussi on a besoin de faire des gros travaux qui dépassent l'enveloppe de cette épargne, et ben on peut endetter une copropriété, de souscrire un prêt, genre la toiture, il y en a pour 60 000 balles. Forcément, la copro en liquidité, elle a coûté 3-4 000 euros. Elle n'a pas les 60, bah ils font un crédit tous ensemble sur 20 ans. Et en fait, le jour où on vend, on doit annexer aussi le crédit et puis on appelle ça ses charges. Ouais, donc, du coup, les charges, elles augmentent s'ils font un crédit. Ça peut augmenter. Ouais. Alors, augmenter, oui, mais c'est pas réglementé, mais c'est illogique de voir par exemple, je sais pas, 200 euros de charge qui passe à 400 euros. Ouais, ouais. C'est pas logique, quoi. Donc, ouais. Après, si l'immeuble il est vieillissant, c'est peut-être qu'il le mérite aussi, quoi. Aussi. Mais peut-être qu'on achètera son appartement un petit peu moins cher qu'un truc qui est tout neuf. Ouais. Donc c'est toujours c'est le delta qu'il faut regarder, c'est l'ensemble. Pas... Donc, comment sur le prix de vente, on est sur un prix de vente à 106 000 euros frais d'agence inclus. C'est pas déconnant, c'est bien. L'appartement il constitue de deux chambres avec encore un bel espace où on a du rangement, du dressing, très peu de couloirs, donc un bel espace de vie. On a un extérieur aussi qui donne sur un balcon expo sud. Franchement c'est top. Et alors j'ai pas pour habitude de rentrer dans le détail de l'explication, mais l'appartement donne sur un rectangle bien évidemment qui est en immeuble. Et en fait l'appartement fait le tour du rectangle. Ah ouais. Donc ce qui est génial quand on a ce type d'appartement, c'est qu'on peut faire des courants d'air. On souffre jamais de la chaleur. Je prends un autre exemple, souvent c'est très lumineux. C'est super bien isolé parce que c'est dalle béton dessus, dalle béton en dessous, sur les côtés, partout. Donc quand même une bonne isolation à l'intérieur du bien. Donc en fait on n'arrive pas à aérer. Parce que si votre appart il donne que sur une face, on a beau aérer, il y a beau avoir du vent, ça fait pas courant d'air, on n'a pas cet effet naturel. Voilà. Donc là on va le retrouver. Donc s'il fait chaud c'est bien. On est au quatrième étage, on a qui va dire ah c'est chiant et tout, on s'en fout, on a un ascenseur. Donc moi j'aime pas l'ascenseur, je marche tout le temps. Tout le temps en montant les escaliers, c'est largement accessible. Sur les places de parking, il y en a tout le temps. Franchement je galère pas. On est à côté des lycées, fac, donc facile pour louer. On peut avoir une rentabilité assez sympa. Moi, je pense à 600, 650, voire 700 euros suivant l'équipement qu'on va aménager à l'intérieur. Vêtements de sol, tout a été refait complètement à neuf. On est sur un vinyle imitation parquet. La cuisine est assez moderne. Par contre, la salle de bain est encore un peu vieillotte, mais elle est fonctionnelle et elle est tout ce qui est de plus basique. Une baignoire avec cabine de douche et un meuble... Tu filmes, tu as ouais. Ça va? Thank you.
Donc, tu vas pas être trop fatigué, les escaliers. Et tu sais que je m'en doutais que t'allais dire ça. J'allais dire donc on prend les escaliers. Ouais. Mais en vrai, moi je te connais, je sais que ça te fait chier. Et tu le dis pas parce que là c'est allumé. Non, mais parce que. Non, parce en que vrai, d'habitude. Non, Lucas il aurait été là. Ah ouais, il y a des escaliers. T'as vu, il y a un ascenseur. Mais on montre l'ascenseur ouais. Comme quoi il y a bien un ascenseur. Il y a un ascenseur. Ouais. Non, non, parce qu'en vrai, franchement, des fois, moi, je prends les escaliers aussi, parce que c'est bon pour la santé. Ouais. Lucas, qui s'est abîmé la cheville au foot, donc bien, le mec qui fait semblant qu'il s'est joué, il m'a bien embêté, dans le sens où, c'était compliqué pour travailler, mais bon, voilà. Et depuis, quand il marche même sans attelle, il fait semblant qu'il a une attelle, il est comme ça. Non, là, c'est pas. Ah, mais tu t'en rends pas compte. Mais c'est ça vrai. Se voit, ouais, tu marches un peu. Bah, tu sais que je te jure, je m'en rends même pas compte. Hein. Bah, non, c'est d'habitude. Mais ça, tu vas prendre 6 mois ou un an avant de perdre ce truc-là, tu vois. Oh, 3 ans. Secret, personne ne voit les papiers. Personne ne voit. Donc là, on est au 4e. Ouais, tu commences à le sentir à ton souffle, là, ouais. Non, non, mais ouais, j'ai. Si, vas-y, parle. J'ai compté. Bah, non, ça va, ouais, franchement, ça vrai, va. En vrai, il a un chewing-gum dans la bouche. Hein. Donc, ça va. Donc là, voilà. Non, voilà. C'est pas là. C'est surpris. Putain, j'aurais dû donner la clé à Lucas. Vas-y, vas-y, gros. Mais t'arrives pas à ouvrir. Et là, grand-mère, elle est là. Mais quoi, chez moi. Il y a quelqu'un qui serait sorti, il m'aurait défoncé. Que tu fais? La même clé va nous ouvrir les deux barillets sur la porte d'entrée de l'immeuble. Pareil à l'ancienne, on a le petit œil de Judas qui peut nous montrer qui est à l'extérieur. Si jamais on se méfie. Je sais pas, ouais. Faudrait prendre une perte et puis souffler dessus pour voir ce verre. Non, il y a un carreau. Ouais, tout au bout. Il y a un carreau tout au bout, on le voit. Entrée, alors grand couloir, ça va, c'est pas trop chiant. Par contre, c'est vachement sympa si par exemple il y a quelqu'un qui vient taper à la porte. Ça vous évite qu'il voit tout de suite. Alors c'est trop marrant parce que j'ai Lucas, il est là, il fait carrément, mais à chaque fois que je dis t'as vraiment raison, tu vois. Faut que je fasse ça en fait. Merci Lucas de confirmer mes dires. Mais donc voilà, couloir qui vous permet de ne pas vous montrer ce qui se passe dans l'appart. Vous allez voir, venez voir un coup. Donc il y a eu un coup de blanc qui a été remis sur tout l'appartement. Un endroit important aussi, c'est les toilettes. On n'en parle jamais assez, hein. C'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Hein, Lucas? Surtout à l'agence, faut croire qu'on y est bien, on mettrait vite. Non, alors on va sans déconner, l'aération, le tuyau, le tout à l'égout, donc vous êtes bien connecté, l'aération qui est là-bas. C'est éteint au niveau de l'électricité parce que le propriétaire est parti, donc ça sert à rien de faire tourner les compteurs, j'ai pas besoin d'eau chaude, j'ai besoin de rien du tout. On va retrouver connexion tout à l'égout, pas d'entretien particulier. Et l'avantage, c'est qu'il est quand même excentré de la pièce de vie, c'est-à-dire qu'il y a la cuisine qui est là, la pièce de vie qui va être derrière, on le verra après. S'il y a quelqu'un qui va, on est vraiment loin, on n'est pas embêté. Vraiment pratique. Des fois, nous claquer dans la pièce de vie, c'est beaucoup plus chiant. Ouais. Donc l'agencement est pas mal. On va retrouver une cuisine moderne. Donc cuisine moderne qui est plaque vitro-céramique de pendre l'appart tel quel. Vous entendez, hein, tel quel. Donc c'est-à-dire que même le canapé, etc. S'il vous plaît au futur, tout peut rester. De quoi mettre encore des rangements, ce genre de choses, etc. Et on peut tout foutre là et on est tranquille, ça tourne. Pareil, ça tourne, on est loin des chambres. On passe non, 3 pièces pas. Avant d'atteindre la chambre. C'est vachement intelligent ça. C'est clair. Et pareil, ils ont pas mis la machine du voisin juste à côté aussi. Il y a une fenêtre, ça aussi c'est top, on y voit clair. Alors, par contre, pour le coup, c'est une fenêtre en simple vitrage. Donc bon, après, l'avantage d'être au 4e, c'est que t'entends pas trop. Ouais, après en vrai, je sais pas si vous savez, il y a l'intoxication en dioxyde de carbone. Faut se méfier, c'est à cause des merdes de chaudière à gaz. Les gaz que ont rejeté la chaudière en brûlant le gaz, ouais. Et ben, ils sont nocifs. Ils sont pleins de monoxyde de carbone. Ah ok. Et ça, le monoxyde de carbone, c'est le truc où tu t'endors. Ça a pas d'odeur. Ah ça, ouais, c'est pas je une vois fumée. Quoi. Et en fait, tu t'endors. C'est pas bon du tout. D'où l'importance d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Surtout. Okay. Parce que même si on a une fenêtre, s'il n'y a pas de vent, si c'est pas ventilé, s'il y a une VMC, mais que la VMC elle est bloquée et qu'elle est un détecteur. Détecteur. Franchement, non, on va pas en parler, mais vraiment, même vous, achetez-le. C'est vraiment, ça vaut 30 balles, mais ça sauve des vies, quoi. Donc encore du rangement. Ouais. On voit bien qu'on est sur une dalle béton. On ouais, perçoit, là on c'est... le voit. Ouais, donc c'est vraiment du costaud. Cette fenêtre elle est vraiment super lumineuse par contre. Non mais c'est du tout. Ah ouais, c'est des super grandes fenêtres, c'est super. Tout l'appart. On a encore un couloir avec du rangement. Et le couloir va nous desservir sur deux choses. La première grande pièce de vie. Ah super agréable. Ouais. Ici 40 mètres carrés de pièce de vie, les copains. Rendez ça 40 mètres carrés. Donc, vous imaginez, posé comme ça dans le canapé. On est bien, on est tranquille, il fait beau. Franchement, moi je pourrais être à poil, je vois pas une fenêtre.
Ah, c'est vrai. Non, on est bien. Ah, il y a aucun vis-à-vis. Ah, et il faut savoir que c'est la pire des journées. Hein. Aujourd'hui, on a une semaine de beau temps, là c'est catastrophique, il flotte et tout, c'est jamais. On a un très 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 bel extérieur, je sais pas si Lucas va réussir à rajouter, mais furtivement, on va dire. Vraiment vite fait, voilà, tac, on va parler. Ouais. Donc avec un petit peu de pelouse, forcément c'est de la face, vous imaginez pas une tournée, j'emballe. Je m'en doutais que Lucas, il savait faire rien. Parce que j'imagine vraiment le mec avec sa tournée. C'est pour ça que là, toutes ces parties pour tourner l'après-midi. Donc voilà, on est sur des doubles vitrages modernes avec l'oscillo battant, une grande baie vitrée aussi qui permet encore de profiter de la bande lumière et des meubles, enfin des volets intégrés sur toutes les baies vitrées. Électriques en plus. Ouais, on va pas pouvoir les faire fonctionner parce que c'est les peintres, mais ouais. C'est bien électrique. Ouais. Là on a un conduit cheminée, ça aussi, atypique. On ne fait plus ça aujourd'hui, ça n'existe plus dans un meuble. Mais à l'époque, on en avait conduit cheminée, donc si on veut mettre une cheminée dans le salon. C'est cool, poêle à granuler, n'importe quoi et tout. Alors, il faut savoir que sur les immeubles, des fois, on a la chaudière qui est centrale. Là, c'est de l'arrivée de gaz unitaire. Donc, c'est-à-dire que chacun paye sa consommation. Et chacun peut mettre le système de chauffage qu'il veut. S'il veut mettre de l'électrique, il peut et tout ça. Et on va retrouver les compteurs dans les parties communes. Les parties compteurs eau, gaz, électricité. Et les parties communes, c'est la cage d'escalier. Sur chaque niveau de cage d'escalier, il y a les compteurs des appartements. Salle de bain qui est en espace plus que cosy. Ben, vous voyez, je me sens à l'aise. Voilà, je suis pas électriqué, rien du tout. Quand en fait, c'est le maître qui est vital sur un espace. Sur de la déco, on va dire, genre des poignées à changer, ce genre de choses, etc. Oh, regardez-moi ça, le propriétaire nous a fait une petite déco. En vrai, c'est doux. C'est dehors avec ça. C'est vraiment la chambre. Enfin, vous le voyez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Très grand. Le propriétaire est grand, déjà. Il fait 26 mètres. Enfin, c'est un très très beau bébé. Et zéro vis-à-vis. Panorama très sympa. Et je peux vous dire que passer 18 heures, ça va être vraiment magnifique. Parce que pour le coup, que la ville est illuminée. On ne voit pas vraiment, mais au loin, moi je vois 3 télés. Très bien. Ouais. On voit très bien. Carrément. Donc on voit super bien la piste de ski. Et, pareil, imaginez un feu d'artifice, vêtu, mais dure vachement longtemps. Et vous, il fait plus de 30, enfin plus de 20-25 minutes. Magnifique. Pas de garage à proprement dit sur cet appart. Par contre, il y en a quand même qui sont disponibles à la location. Il n'y en a pas pour l'instant à la vente, mais ça arrive qu'il y en ait de temps en temps. Et un garage ici, ça se revend entre 10 et 15 000, voire 20 000 euros si le gars il a repris tout à l'intérieur qui est isolé, qui a du marbre sur le sol. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Sur les rentabilités, si on veut parler aux investisseurs, on peut atteindre les 5-6%. Je sais que c'est pas déconnant parce qu'on est plus sur un petit 10% sur le secteur. Par contre, on est sur de l'appart propre. Ça peut aller très vite pour mettre le locataire en place. Des clients en cible sur du plein pied en fait. Parce qu'on a un volume qui est suffisamment grand qui me fait penser à un plein pied, mais mieux agencé, plus lumineux. Et ces clients-là ne sont pas forcément des adeptes de l'extérieur qui s'en foutent un peu du jardin. Ils aiment bien profiter un peu pour voir. Ouais, avec le petit balcon, voilà, il y en a assez. Voilà, mettre le nez dehors et tout. Il fait beau premier et tout. Mais c'est pas eux qui vont profiter de 100 mètres carrés de pelouse, quoi. C'est pas vrai. Donc pourquoi pas sur ces clients-là. On est plutôt dans une tranche. Et après, du jeune, du Airbnb, la chambre étudiante. Ouais. Enfin, franchement, l'étudiant, il a de quoi se faire vraiment son petit appart dans la chambre, quoi. Donc en plus, il aurait sa pièce de vie. Pareil, on n'en a pas parlé, mais la pièce de vie, on peut aussi la refractionner parce qu'il y a deux entrées indépendantes. Okay. Donc il n'y a rien qui empêche de faire une troisième chambre. Et on n'oublie pas que si on est sur 350 euros de rentabilité par chambre, bah vous calculez. Ouais. On a ça fait combien, Lucas ? 1050. Bien ça. On fait ce genre de choses sur un prix d'acquisition à 106 000, à grosso modo, hein, sans faire les calculs exacts, on s'approche des 10%. Un bagnole universitaire, sincèrement, le premier, l'oiseau, il est à moins d'un kilomètre. Ah. Il y en a vraiment plusieurs où il y a du professionnel, où il y a des activités qui nécessitent des logements. Donc même si c'est pas toutes les semaines, je pense aux alternants, parce qu'on a un truc plus mécanique, menuisier, électrotechnique, ouais, c'est ça. Tous ces trucs productifs aussi. Et c'est des gens aussi qui viennent de loin. Mais par contre, ils sont là une semaine en alternance, une semaine, un peu comme Lucas avec. Donc juste ici, donc les deux entrées indépendantes, on les voit ici. On a une première là-bas sur la pièce de vie principale qui est sur la droite, et une seconde qui est ici sur ici. La première qui est plus grande. Voilà. Donc alors la première qui est plus grande, mais qui en même temps pourrait paraître plus logique si on devait fractionner pour faire une chambre. Parce que là-bas on a une fenêtre.
Et ici, on a un porte-fenêtre qui donne sur le balcon. Donc soit il y a un enfoiré qui se prendrait le balcon sur sa chambre. Mais voilà, voilà. Donc, soit... Dressing. C'est quand même un grand rangement. Ouais, si, c'est pas mal. C'est dressing, c'est une bonne profondeur. Le tableau électrique en haut pour montrer que c'est quand même aussi assez moderne. Donc c'est pas un tableau qui est au top performance, mais on est sur quand même un 30 millions en tête, c'est ce qui demande de nous protéger majoritairement parlant. Une liaison à la terre. Juste ici, seconde chambre, un petit peu plus petite, mais elle est grande aussi. Les bureaux sont grands. Ouais, elle est grande aussi. Et encore une fois, bien lumineuse. Ah bah la luminosité là, on prend plein de lumières. Vraiment plein de lumières. Une très grande fenêtre et une deuxième petite fenêtre. Les deux sont aussi oscillobattantes aussi, donc c'est bien. Alors je crois qu'il ne faut pas que je me mette si loin, parce que sinon on entend beaucoup moins bien. Ouais, ça résonne. Ouais, ça résonne en plus. Les sols sont pas mal aussi, on est sur un truc moderne. Pareil, passage intensif, hein. S'il y a du talon aiguille, ça craint rien. On peut lancer avec de la bibo la nuit sur des soins, ça craint rien du tout. Et en même temps, s'il y a des tchos qui sont en train de faire des conneries avec des jouets, si un jour ils abîment vraiment une dalle, ça va vite changer. C'est collé en fait, c'est des autocollants. L'avantage des autocollants, c'est qu'il n'y a pas vraiment la dilatation des métaux. Je prends un exemple, le bois. Le carrelage, ça va pas dilater, mais par contre, si vous faites tomber des trucs lourds dessus, ça peut péter. Un mur peut casser le carrelage. Bon, on va repartir sur d'autres rendez-vous. Présentation un peu bouclée, c'est rapide avec vous, mais c'est juste une petite vidéo. Il faut savoir qu'une visite, en règle générale, avec nous, ça dure plutôt une heure, parce que c'est surtout une interaction, c'est un échange. Beaucoup de questions qui ressortent, qui n'ont rien à voir les unes aux autres, c'est-à-dire d'une visite, les gens ils vont parler de l'extérieur, il y en a un autre qui va parler de l'intérieur, il y en a un autre qui va parler que du voisin. Tout le monde a des questions différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, on fait le tour de tout, on fait le point sur tout, et les gens repartent et ils ont toutes les infos dans leur main. Et j'espère que vous aurez appris quand même beaucoup sur cette petite vidéo sur les appartements, en espérant vous retrouver aussi vite sur ce genre de projet avec moi en visite prochainement. Et j'essaierai aussi de vous faire sur d'autres points un peu particuliers. Je pense qu'on ira aussi vous parler des servitudes et des divisions parcellaires de l'air. Dans l'air, c'est des trucs géniaux. Non, en fait, sans déconner, c'est des trucs vachement intéressants parce que ça peut arriver à tout le monde. Genre, on achète une baraque et on se rend compte que soit sa baraque, elle dépasse chez le voisin, soit c'est le voisin, sa baraque, elle dépasse chez soi. Et ça, on s'en rend compte qu'au même moment, parce que genre des fois, on visite une maison, puis ouais, elle est bien et tout. On la visite, putain, elle est plus grande que ce que j'imaginais. En fait, il faut savoir que des fois, les pièces, ils font ça sur l'étage. Donc en fait, l'étage est beaucoup plus grand que le rez-de-chaussée. Donc oui, elle est plus grande que ce qu'on imagine. C'est pas chez le voisin. Comme les caves aussi, ça arrive souvent, surtout sur le secteur d'Arras, ici c'est beaucoup le cas. On verra, je vais essayer de vous trouver des cas complexes, et des dossiers sur lesquels aussi les gens acceptent de faire des images, et c'est pas évident. Oh, y a personne. Ils sont gênés. Ouais, ils sont gênés, ils disent plus rien, à part oui non. Genre, c'est quoi ton prénom? Oui. Ouais, ok. Dis bonjour Kevin. Non, allez, c'est bon. Bon allez, on est reparti sur d'autres horizons, on va aller faire de la pub.